Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo programme du jour. C'est un unboxing de la boutique Estheticans, une boutique donc hollandaise. Je vais vous montrer quelles acquisitions j'ai fait. On a quelques petits goodies autour dont je vous parlerai plus tard. Ici on a deux tubes donc, hein, comme vous pouvez voir. Malheureusement le transport s'est mal passé pour l'une d'entre elles, vous allez le voir directement. J'ai donc fait part immédiatement à la boutique que... ben, on avait un petit problème, hein, malheureusement, mais la raison c'est certainement lié au transporteur, je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo ce qui s'est passé. On est une semaine plus tard, donc le mardi, ils m'ont renvoyé un colis dans la foulée, avec une chaufferette en plus cette fois-ci parce que effectivement les températures ont drastiquement baissé en Belgique dernièrement. C'est une sécurité, franchement c'est pas plus mal, le colis était de nouveau très bien emballé, et cette fois-ci, la petite demoiselle dans ce tube a très bien voyagé. J'ai donc mis au calme celle-ci pendant une semaine ou deux. Ici, j'ai rajouté du substrat, d'ailleurs un peu trop, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, mais je vais vous expliquer les raisons de pourquoi ce substrat est présent. Si vous êtes connaisseur, vous avez déjà reconnu les Rhytidoponera Metallica, j'avais une très belle colonie que je vous avais présentée à l'époque. Mon but était notamment de repartir à zéro avec deux reines, hein, mais j'ai eu du mal à trouver des reines fécondées. Ici, je croise les doigts, elles nous viennent d'Estheticans, donc c'est une espèce, je rappelle, qui est australienne, qui est en capacité de vous piquer, donc il faut faire attention, il ne faut pas manipuler... je vais dire sans y faire attention, c'est une espèce qui est relativement agressive d'ailleurs, qui est assez commune en Australie, hein, pour ainsi dire, elle loge absolument partout, dans les jardins, sous les routes, enfin bref, partout. C'est une magnifique espèce de fourmi, cependant plutôt petite. Le développement est relativement rapide, et c'est d'ailleurs à ça qu'on sait, enfin, que je sais maintenant reconnaître si elle est fécondée ou non, du moins me donner une première idée, c'est que les espèces, enfin quand les Rhytidoponera Metallica notamment ne sont pas fécondées, le développement est assez lent, le tissage notamment, et à la fin vous voyez forcément sortir du cocon des sexuées mâles, ce qui ne nous intéresse pas ici. Ici on a eu un développement relativement rapide, elles sont justement en train de tisser, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez cet amas de cailloux qu'elle a elle-même rassemblé avec du coton aussi un peu partout, ça facilitera le tissage de cette larve, hein, que vous voyez en haut à gauche, qui est en train justement de tisser. Ce qui se passe avec les cailloux, c'est que ça lui fait un point d'ancrage sur lequel elle peut tisser aisément son cocon, et par la suite vous verrez, elle va l'enlever tout simplement de ce petit tas et en mettre une autre. Bref, c'est hyper fascinant, ça on peut l'observer dans plusieurs avec plusieurs espèces de fourmis, hein. Ce n'est pas exclusif au Rhytidoponera, loin de là, mais c'est quand même quelque chose de chouette. Ici on voit qu'elle s'alimente tout simplement parce que je rappelle que Rhytidoponera Metallica est une espèce semi-claustrale, qu'elle a besoin de s'alimenter notamment pendant la période où elle s'occupe de ses premières larves, etc. Donc voilà, ça c'est autre chose. Est-ce que vous souhaitez l'alimenter régulièrement, tous les 2-3 jours, toutes les semaines, bref, ça c'est un peu, ça dépend de vous, de votre façon de faire. Je sais que certains disent une semaine, d'autres 2-3 jours. Moi personnellement je suis plutôt fan des 2-3 jours, ça me permet de l'alimenter en protéines et en liquide sucré régulièrement. Pourquoi du liquide sucré? Parce qu'elle s'alimente elle-même, ça l'hydrate par la même occasion, tout comme les insectes, hein. Elle va chercher, je vais dire, dans leur sang et dans ce qui reste d'autre autour, de quoi se... je vais dire se... bref, vous avez compris, j'ai oublié le mot. Et voilà, donc c'est hyper important. Moi, personnellement, je varie. Je ne sais pas, certains sont que à la protéine, bah, je sais pas, ça c'est un nouveau, c'est chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets, tant que vous avez du résultat et tant que c'est probant, tant que ça évolue, pour moi c'est l'essentiel, voilà. Alors ici, bah, le but ça va être de suivre les deux et de voir leur évolution dans les mêmes conditions, la même température, la même alimentation, tout simplement aussi pour vous montrer qu'une reine n'est pas l'autre, ça permettra de se faire un avis. On verra également si ce sont de reines entre guillemets de bonne qualité, j'entends par la fécondée, que tout va bien. Ce qu'on peut constater, c'est que la boutique Estheticans m'a envoyé deux reines cette fois-ci en parfaite santé. On voit que leurs deux antennes sont présentes, qu'elles ont 6 pattes, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien noter, c'est bête, mais... si vous recevez des reines un peu, je vais dire, avec une patte en moins, une antenne en moins, ça peut quand même changer l'évolution. Elles peuvent parfois mourir sans raison. Bref, il y a pas mal de critères à prendre en compte. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument regarder parce que beaucoup de boutiques vous vendent les reines justement blessées nettement moins chères. Donc voilà, regardez bien aussi à vos reines. J'en fais mention parce que je trouve ça important. Lorsque moi, j'achète une reine, notamment d'espèces chères, j'attends qu'elle soit en parfaite santé. Bref.
Ici, ben, d'ailleurs, hein, je suis transparent avec vous, je n'ai pas payé les deux rennes que vous avez sous les yeux, c'est un échange de bons procédés, donc comme on pourrait dire une collaboration. Par la même occasion, Esthéticons a mis en place un code nommé la fourmi gauloise, hein, classique. Vous tapez ce code, vous avez 10% sur tout le site. Ça fait toujours plaisir. Quel est l'intérêt pour moi de vous donner ce code? Ben déjà, vous gagnez 10% à l'achat. Certes, des codes pour la boutique Esthéticons, il y en a certainement quelques-uns. Donc, que ce soit moi ou un autre, ça ne changera pas grand-chose. La seule raison pour laquelle je vous dirais d'utiliser mon code si vous voulez me soutenir, c'est tout simplement parce que ben, la boutique va voir en fait des gens venir suite à cette vidéo ou plus tard ou dans j'en sais combien de temps, peu importe, hein. Mais lorsque vous allez utiliser le code, ben, eux se disent en fait ok, bah ben, voilà, sur une période de 6 mois il y a 45 achats liés à un tel créateur, les gens ont utilisé le code, par conséquent c'est une personne avec laquelle on peut retravailler parce que en termes, je veux dire en point de vue financier, ça rapporte à l'entreprise. Ça, c'est le seul intérêt que j'ai à ce que vous utilisez mon code, parce que moi, personnellement, je ne gagne absolument rien derrière. La seule chose que je gagne grâce à vous, et grâce à mon travail aussi, hein, faut dire les choses, c'est le fait que, bah, vu que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, forcément, on a un impact différent, tout simplement. Donc voilà, ça, je vous remercie tout de même, vous le savez de toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais je trouvais que c'était important d'être transparent là-dessus, que vous sachiez pourquoi c'est intéressant d'utiliser mon code et pas un autre, entre guillemets, c'est tout simplement parce que bah, c'est une manière de soutenir le créateur de contenu que vous préférez. Si c'est pas moi, c'est un autre, pas de problème avec ça, hein. Mais c'est juste, voilà, je pense que c'est l'intérêt, c'est juste ça. Après les 10%, ça fait toujours plaisir, hein, très clairement. Généralement, si vous avez une commande assez importante, ben ça paye vos frais d'envoi, etc. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, hein, dites-moi sur la boutique si vous avez trouvé des choses qui vous intéressent, si vous êtes déjà consommateur dans le sens où vous avez déjà passé commande au préalable chez Esthéticons. Comme je le dis, hein, c'est pas du tout une nouvelle boutique. Nous, notre collaboration est assez récente. On s'est déjà vu physiquement, lui et moi. On a déjà échangé au préalable de nombreuses fois. Voilà. On ne s'était pas spécialement entendu, maintenant c'est le cas. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont commandé chez eux, qui m'ont dit par rapport à avant, c'est nettement mieux. La qualité des fourmis également, c'est nettement mieux. Enfin, tout est mieux, donc ça m'a donné aussi envie de travailler avec eux, dans le sens où je me dis, ben voilà, si la boutique est solide, qu'en plus de ça, il y a des choix qui ne sont pas disponibles ailleurs, il y a de la variété, il y a des prix attractifs et plein de choses comme ça, je me suis dit, ben pourquoi pas en fait? Pourquoi pas essayer et faire ma propre idée, etc. En attendant les Rétis d'Oponera Metallica, ben on croise les doigts, hein, vous savez, hein, moi mon petit but c'est de les reproduire, je le cache pas, je sais que je peux y arriver, on avait déjà fait une expérience à leur sujet, mais je n'avais pas deux colonies chez moi, donc voilà, là c'est mon but très clairement, je vous cache pas, je pense que tôt ou tard on pourra procéder à ce test, hein, dans quelques années certainement, mais gardez ça en tête, ça devrait être chouette, je croise les doigts pour qu'aucune des deux... ne meurt, hein, tout simplement, ou qu'elle ne soit pas fécondée, bref, vous connaissez la chanson. Je vous rappelle donc le code la fourmi gauloise pour 10% sur Esthéticons, je remercie également la boutique, je vous remercie vous de me suivre et de regarder mon contenu en espérant qu'il vous plaise toujours autant. On se dit bientôt, à bientôt, pardon, pour de nouvelles aventures, du nouveau contenu. Je suis en train de déménager, donc je manque de temps, mais lorsque je serai installé, je vais revenir en force avec pas mal de choses, vous allez voir. Sur ce, à bientôt l'équipe, merci à vous, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!